We Love Green, un festival entre gadou et musique, entre gadou et concert. L'événement musical s'est terminé ce dimanche avec la participation de nombreux artistes tels que Eddie Depreto, Nino ou encore Hamza, entre autres. Malgré la boue sous les chaussures et le mauvais temps de ce samedi, ce sont près de 130 000 personnes qui étaient attendues à We Love Green et pourtant, tout le monde n'avait pas le cœur à la fête. L'événement a divisé sur le principe du concept écolo. Amandine Savissens, représentante de l'association PAZ, était de ceux qui ont manifesté contre ce festival et qui ne le trouvent pas si écolo que ça. Écoutez. Alors nous avons souhaité dénoncer cette mascarade en fait, qui consiste à organiser un festival qui se dit écolo au cœur d'un bois, hein, bois de Vincennes, alors que quand même il y a d'autres lieux pour faire la fête à Paris, que là on est dans un bois qui est d'abord et avant tout l'habitat des animaux, notamment des animaux liminaires, et que donc c'est tout sauf, enfin en tout cas ça montre que cette écologie-là ne prend pas au sérieux la condition animale. On est dans une période qui n'est pas n'importe laquelle, c'est-à-dire printemps-été, où il y a eu des naissances d'animaux, où les jeunes ne sont pas forcément émancipés de leurs parents, où on est dans une période cruciale de nidification, de nourrissage, etc. Et donc là, en fait, on est dans un festival de musique avec du bruit, avec des vibrations, et donc de la lumière aussi artificielle la nuit, et donc tout ça, en fait, au cœur d'un bois. Donc c'est un véritable scandale, on ne comprend pas comment la mairie a pu accepter, a pu autoriser ce festival, et le soutien d'ailleurs. On souhaite vraiment rappeler que le bois de Vincennes n'est pas une boîte de nuit, et ce n'est pas un décor pour faire la fête. Après, nous, notre association, on défend les animaux, donc on parlera plutôt de l'impact en effet sur l'habitat des animaux, puisqu'en effet, il n'y a pas d'animaux sans habitat, hein, et que les arbres, les buissons, les haies, etc., c'est l'habitat des animaux, et qu'en effet, le fait qu'il y ait aussi, qui dit festival, et c'est un très grand festival, dit énormément de festivaliers, enfin, c'est colossal, hein, le nombre qui s'est rendu à We Love Green, et donc tout ça en fait ça a un impact, hein, parce que c'est aussi la nuit ça doit être un moment où ça doit être de calme, de sans lumière en fait, puisque je rappelle quand même que les animaux vivent déjà ce qu'on appelle le stress urbain qui a été documenté par le CNRS avec un impact permanent de l'urbanisation sur les animaux, hein, en termes de bruit, de lumière, d'alimentation non adaptée, etc. Et là en fait on vient en rajouter ici au bois de Vincennes, alors que ça devrait être un lieu qui doit être protégé pour les animaux.